Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Et aujourd'hui, c'est une vidéo du Lucky Bingo Kai qu'on va faire. On a loupé l'événement du taux de drop des S et des SS, parce que bêtement je croyais qu'il se terminait aujourd'hui. Donc je me suis dit j'ai le temps jusqu'à lundi, et en fait non. Donc on l'a carrément loupé, mais c'est pas grave les amis, puisque du coup, aujourd'hui on aura une chance d'avoir Komajiro rang S. Donc sur le même principe que Jibanyan et Koma-san, il y a un rang A qu'on peut fusionner avec le rang D qui donnera un rang S, et le rang S définitivement. Qui en plus, les amis, pour ceux qui n'ont pas d'omniscient, il aura aussi la même capacité, un bonus de défense sur la version d'omniscient éveillé dans l'événement. Et d'omniscient éveillé, il faut absolument l'avoir, les amis. Donc vraiment, partez à la chasse à Komajiro S. On y va tout de suite. Je regardais un petit peu up avant de lancer le bingo kai. On a trois pièces à jouer. Donc on va les jouer tout de suite, comme ça ce sera fait. Une pièce joyeuse, une pièce rose G et une 5 étoiles. Donc allez, c'est parti. On va commencer, hop, par la rose G. On a une boule bleue. Une joyeuse, pardon, une rose G. La joyeuse, pardon, Pachicool. Wow, Pachicool, il est niveau 6. Ça sera peut-être le premier petit yokai qu'on aura maxé. Allez, on va faire la rose G. Les yokai mignons rares. Qu'est-ce que ça va être? Une deuxième boule bleue. Ah bah c'est Tapur qui saute pour nous rencontrer. Le Baku blanc. Hop, Tapur. Et donc on va jouer la pièce 5 étoiles qui elle va nous donner un rang S forcément. Le premier de la soirée, espérons pas le dernier. Hop. Allez, c'est parti. Attention. Eh, Scarnage. Allez, bah voilà. Scarnage niveau 5. Parfait. C'est parti. Et maintenant les amis, on passe au Lucky Bingo Kai. On a fait, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, on a fait 180 000 Y Money. Hop. Info pour l'achat. Hop, hop. Et c'est parti. Donc. Hop, je vérifie juste que l'enregistrement fonctionne bien. Et voilà, c'est fait. Comme maintenant on enregistre depuis l'iPhone, je préfère vérifier pour être sûr. Allez, c'est parti, Lucky Bingo Kai, on a 60 essais les amis, Obscurby ce serait top, et puis Komajiro S, et puis du donjouan, enfin tout ce qu'on peut avoir de bien. Allez zou, c'est parti, en plus on a le qui recharge, et a déjà plus de la moitié, hop, donc c'est bien. Allez, on commence par une boule rouge. Ah bah Espy. Espy, le... on en avait pas beaucoup des Espy et des états civiliens, maintenant c'est bon quoi. On les aura presque maxés d'ici la fin du Lucky Bingo Kai. Ah, du Ultra Max aussi, c'est pas mal. C'est aussi. Il est bien Ultra Max, c'est un booster de score et il soigne. Ah, j'ai. Ah, et puis alors, il y a les petits secrets. Hein. Forcément, les amis, les petits secrets, c'est ce qu'il nous faut. Comme on essaye de monter d'omniscient éveillé au niveau 7, il me faut des petits secrets en pagaille. Allez, c'est parti, boule rouge. Et ben voilà, état civilia, qui suit son ami Espy. Allez, plus qu'un coup, et on aura la Lucky Recharge à fond. Bizarre, hein, cette Lucky Recharge, hein, dans le dernier épisode, vous avez bien vu. Parfois c'est top, parfois c'est une grosse arnaque. On va voir ce que c'est ce soir. Frérot, un deuxième petit secret. Impeccable. Et la voilà, elle est pleine. Hop. On a le bonus. En théorie, les amis, on traîne pas. On joue le bonus, que ça va être une boule dorée. La première du Lucky Bingo Kai de la soirée. C'est une boule dorée, mais c'est pas un truc de fou. Et c'est Nihilo. Ok. Ah, Nihilo, on l'avait pas eu beaucoup aussi. C'est un monocybe, Nihilo. Il est pas mal. Donc, allez. On se plaint pas. Je suis pour une lucky, pour une chance augmentée. C'est quand même pas une folie, les amis. Allez. Deuxième boule dorée, mais toujours pas quelque chose de dingue. Et Robonian. Ah, oh, il est déjà niveau 4 aussi, Robonian, mine de rien. Et on n'a pas trop mal avancé dans ces nouveaux yokai
du Bingo Kai, du Lucky Bingo Kai. Allez, on continue. Boule bleue, Espi, Tassivinia, Auvergnan. Auvergnan, je prends, je l'aime bien Auvergnan. Il est chouette. Allez. Hop. Un petit quart de fée. Youp. C'est vrai qu'on a complètement... Enfin, c'est moi qui me suis carrément trompé. J'étais sûr que... Ah, encore un petit secret. J'étais sûr que le taux de drop augmenté des S et des SS... des rangs S et des rangs SS, c'était jusqu'à aujourd'hui inclus. En fait, oui, c'était jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à 3h du matin. 4h du matin comme d'hab, donc bah, j'ai loupé. C'est pas grave. De toute façon, j'avais pas assez d'argent pour vous faire un épisode de fou, donc... Ah, état civil, là. J'avais pas assez d'argent, donc ça aurait pas été comme je voulais, donc on n'a pas fait. Hop. On continue. Ah, mine de rien, on a déjà fait... Il a déjà fait une bonne dizaine d'essais. Allez. Et encore un petit secret avec Timmy Démon, qu'on a déjà maxé aussi. Et c'est bien, ça tombe, les petits secrets. Il en faut, il en faut, il en faut. Il faut absolument que je max d'Omnition SS, parce que c'est avec lui maintenant que je farme la Y Money. Et puis il sera... Allez, pff, oh zut, j'y ai cru. Boule dorée... Et Jibanyan Roa. C'est bien, on est devenu ami avec Jibanyan Roa, mais il était pas dans le... Il y a peut-être eu des nouveautés. Il me semble pas que Jibanyan Roa, les amis, il était... Il était dans le Lucky Bingo Kai, il me semblait qu'il y avait que Komasan. Donc on a Kyubi éveillé, on a Blizzardia éveillé qui a pris la place de Feulion. Fouettard Luminoque Démophage. Jibanyan S, Komajiro S. Domnition. Et ils m'ont enlevé mon Obscurby, les amis. Ils m'ont enlevé mon Obscurby, je l'avais pas vu. C'est sympa pour ceux qui ne l'avaient pas. Donc on n'aura pas Obscurby aujourd'hui, bah on a loupé la chance de l'avoir, du coup ils l'ont changé. Je ne savais pas les amis, donc et je suis sûr que comme Asanran il n'y était pas. Ah, Angélique, pardon, Blizzardia. Je suis sûr que ouais, Jibanyan n'y était pas. Donc peut-être comme ils ont mis Komajiro, ils ont changé 2-3 trucs. Je suis sûr qu'il n'y avait pas de Jibanyan en S non plus, parce que... On avait eu plusieurs fois comme Asandro S dans les précédents épisodes. Hop. Allez, boule dorée, mais décidément. Et ben encore, encore un Jibanyan. Jibanyan, on tombe dessus. Hein. C'est assez incroyable. Allez, hop. Bon, allez, ce serait pas mal d'avoir un petit rang S quand même. On va finir par s'impatienter. Et ben voilà. Suffisait de demander. Esternian. Pas le rang S qu'on préfère, mais a le mérite d'être un rang S. Je suis en train de me demander. Je vais vérifier un truc. Hop. Et voilà, on a la Lucky Recharge. Je me demande si Don Juan, il est toujours dans le Bingo Kai. Du coup, je viens de regarder. J'ai pas fait. Ah oui, Don Juan, il est toujours. Ça tombe pas trop dessus, mais ce serait vraiment bien qu'on en fasse encore quelques-uns. Là, j'ai mon Pitou qui est niveau 6. Allez. Ah là. Là, la Lucky Recharge, elle a fonctionné. Et ben voilà, Jibanyan en S. D'accord. Ok. Bon. Et je suis sûr qu'il n'y était pas encore la semaine dernière. Les amis, dites-le en commentaire. Je suis sûr de mon coup. Il n'y était pas. Et là, du coup, les rangs, on a déjà eu un paquet. Bon, au moins, ça prouve la Lucky Recharge, elle a marché ce coup-ci. On va pas se plaindre. Non-jouant. D'accord. Bien qu'on ait Don Juan, les amis. Ouais, par contre, ils ont enlevé Obscurby. Et ça, c'est triste. Parce que je ne l'avais pas. Donc, je ne l'aurai pas encore dans cet événement. J'espère qu'il reviendra. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir? Espi. Hop. Allez, Lucky recharge. Recharge-toi. Hop. Alors. De la boule rouge. Et ta Sivilia. C'est incroyable. Les deux-là, ils tombent un derrière l'autre, quoi, systématiquement.
D'ailleurs, ils ont quasiment au même niveau, hein. Ils vont passer niveau 5 tous les deux, sûrement dans cette vidéo d'ailleurs. Vu qu'il nous reste encore une bonne quarantaine d'essais, on n'a pas fini de les voir à mon avis ce soir. Allez, boule rouge. Et ben voilà. On dirait les exporbes du Lucky Bingo Kai, vous savez, c'est ceux qu'on veut plus voir et ils tombent quand même. Allez, moitié de la Lucky recharge. Zou. Ouh, une boule bleue. Auvergnan. C'est marrant, je suis moins déçu de voir Auvergnan que de voir Etacivilla ou Espy. Pourtant, Auvergnan, je l'utiliserai sûrement jamais. Mais, je sais pas, ouais, quand je vois les deux autres, là, ça me rend presque triste. Que du coup, hop. Oh. Encore une boule bleue. Et ben voilà, Espy. Et voilà, niveau 5. Ah, on dirait, on l'aura peut-être maxé hein, si on fait encore 2-3 épisodes du Lucky Bingo Kai. Je crois que la date c'est le 16 ou le 23. Ah, oh, zut, j'y ai cru. Je ne sais plus. On vérifie, on regardera après ensemble. Un petit secret, les amis, ça c'est bien. Je vous rappelle qu'il en faut, il en faut un maximum. J'ai eu le double secret, parce que j'ai eu le double secret avec les points P, j'ai eu le secret normal. Je suis en train d'acheter les pièces. Hop. Allez, Etacivilla. Là, je suis en train d'acheter les pièces, elles doivent coûter 7000 et 5000, etc. Avec les points P de l'événement. Difficile de vous sortir des vidéos, les amis, sur sur l'événement, parce que maintenant, on a fait le tour, on vous a un peu tout montré. Quand je farme les points P, moi, je les farme sur... sur Vampiric, parce que comme ça j'essaie de l'attraper en même temps. Ah, Grimper, tu en avais pas encore eu aujourd'hui. Donc le spot est plutôt pas mal. Après, je mets Luminoct et Domnition éveillé pour les bonus qu'ils nous donnent. Ah, voilà les amis. Allez, est-ce qu'on va avoir quelque chose de chouette? Rien n'est moins sûr. Allez, où? Ah, boule dorée. Attention, attention. Eh, Dante. Ok. Eh ben, va pour Dante. On l'avait déjà eu, je crois, dans le premier épisode, Dante. Donc, ouais, difficile de vous sortir une vidéo sur l'événement. Le score attaque, bah, j'en ai fait un hier, vraiment pour dire d'être dans le classement. Je crois que j'ai fini 600e. J'ai fait 18 millions, et puis... boule dorée. Comme je les ai fait du premier coup, j'étais même pas en train de filmer, donc... non, jure. Donc bah du coup, voilà, pas de vidéo de score attaque, de toute façon tant qu'il y aura le glitch, malheureusement on n'en fera plus. Parce qu'il n'y a aucun intérêt d'essayer d'être dans les 10 premiers légalement, vu que les gens trichent. Donc pour le moment, ouais, un peu moins de vidéos. On fera peut-être, c'est rare d'en faire un peu plus, et encore, oh, encore un SP cette semaine, mais cette semaine il y a encore l'événement. Je pense qu'on aura sûrement un chouette événement pour Halloween, enfin j'espère. À ce moment-là, on aura peut-être l'occasion de vous refaire quelque chose de plus complet. Mais c'est vrai que là, comme on vous a fait qu'une seule vidéo pour tout l'événement, on n'a pas fait chaque étage. Forcément, ça fait déjà moins de matière. Tiens, Grimper dans une boule bleue. Ça fait moins de matière en vidéo, donc... Bon, on arrive à la moitié. Déjà, les amis, on a quasiment dépensé 90 000. On a déjà fait presque 30 essais. Allez, hop. Toujours pas un Don Juan, alors que Don Juan je le voudrais vraiment. Et là on a Non Juan. Et moi c'est Don Juan que je voudrais. J'aimerais bien qu'il reprenne encore un ou deux niveaux. Bon, visiblement le jeu est pas d'accord avec moi. Allez. Zou. Attention, une boule dorée les amis. Auronian. Oh, tiens, on l'avait pas encore. Ah bah Auronian il passe niveau 3. Tiens, c'est sympa ça. Auronian c'est un bon soigneur, j'ai longtemps joué avec lui. Quand t'avais l'événement avec Blingos là, le squelette, et je me souviens qu'il était dans mon équipe, j'arrivais pas à le battre encore à l'époque sans soigneur. Allez, boule rouge. Ah, un petit secret. Zou. Si on a le temps à la fin de la vidéo, j'irai donner les petits secrets à Domnition éveillé. Ça, on le passera sûrement niveau 7 aujourd'hui.
Après, il faudra passer Marmeneur et Modico et Felion. Felion éveillé. Enfin, quand on aura fini ça, on sera déjà bien avancé. Et Nihilo, tiens. Hop, deuxième Nihilo de la soirée. Allez, Zou. Allez, plus que deux coups et la recharge sera pleine. Est-ce que ça va nous porter chance? Angélique. Et mine de rien. Hein. Commence à tous monter au fur et à mesure. C'est vraiment dommage. Là, je suis un peu triste hein, qu'ils aient enlevé l'Obscurby. Je comptais vraiment sur cet événement pour le rattraper. Allez, Zou. Ah, Ultramax, on l'avait pas encore eu. Génial. Pareil, lui serait bien de l'avoir up 2-3 fois encore pour qu'il monte d'un niveau. Mais là, les amis, c'est l'heure du bonus de la Lucky qui recharge. Je sens la boule rouge, les amis. J'ai peur. Ah, j'ai rien dit. Ok, boule dorée. Excellent, Komajiro S. Eh ben impeccable. Eh ben voilà. Tu as vu mon frère? Ouais, il est chez nous. On était séparés depuis que je suis sorti de cette capsule. Allez, Komajiro S. Eh ben parfait. Bienvenue l'ami. Bienvenue. Parfait. Et ben voilà, nouveau yokai de l'événement. C'est bon, on l'a eu, mission accomplie. Lui, il nous manquera pas. Est-ce qu'on aura son rang A? Allez. Non, on a du SP par contre. On a un max de SP. Hop. Allez, on continue. On fait tourner le Lucky Bingo Kai. Et encore un SP, mais c'est la folie. Et je vous dis, il y a sûrement un des deux qu'on aura. Il y a de fortes chances qu'on en ait quand même maxé un des deux. D'ici la fin des vidéos, parce qu'on va essayer de refaire un Lucky Bingo Kai. On va essayer quand? À voir quand demain on est mardi, mercredi, sûrement jeudi. On aura encore un sûrement dimanche. Boule dorée. Dimanche ou lundi, selon l'événement. Ah, un secret, ça c'est bien. On ira regarder après jusque quand dure l'événement. Pardon. Il me semble que c'est jusqu'au 23. Il me semble, les amis. Puis après, on reprendra les Bingo Kai classiques, hein, où on a quasiment maxé déjà tout le monde. Allez, hop. Et encore. Impeccable. Un secret. Ça, c'est vraiment bien. Hein. On aura peut-être l'occasion de monter à la fois, comment dire, d'Omniscient éveillé, peut-être déjà de commencer à monter Marmeneur. Marmeneur, il est 6, Modico, il est 6. Allez, Robonian. Ah, c'est vrai que j'ai la pièce d'Omniscient, il faut que je l'achète. J'aimerais bien essayer d'avoir Robonian F qui se trouve dans la pièce. Quand même pas mal de l'avoir aussi, puisqu'il y a visiblement que dans cette... Il n'y a que ce moyen-là, entre guillemets, pour l'avoir maintenant. Allez, boule rouge. Et encore un secret avec Jibanyan rang A. Et Jibanyan, on l'a touché un nombre de fois incroyable ce soir. Allez, on continue. Encore une qui recharge qui arrive. Alors, qui ça va être? C'est Ultramax, ça c'est bien, génial. Allez, monte de niveau, Ultramax. Je dis pas qu'on s'en servira, mais après, quand le problème du glitch sera résolu sur certaines attaques de score, ou sur certains niveaux, il y aura des restrictions de tribus, ça pourrait être pas mal d'avoir Ultramax à un bon niveau. Ah, c'est l'Ornian, tiens, on l'avait pas eu. On l'avait eu que dans le premier épisode, je crois. Très bien. Allez, plus qu'un. Et la Lucky recharge sera à fond, les amis. Et là, on a un beau rang B qui arrive. Un beau SP. Ah, on a déjà quasiment fait la moitié du niveau 5 d'SP, quoi. C'est hallucinant. Ça y est, les amis. C'est l'heure du bonus.
qu'est-ce que ça va être? Gardez votre sang-froid. Boule dorée. Ok. Et Camélia. Wow, on est quasiment au bout. Camélia, ouais, qui fait partie de tous ceux qui vont bientôt être maxés. Il y a Morphea. Il y en a quelques-uns. Après, il nous restera Jibanyan et Komasan. Rang S, les amis. Allez, boule rouge. Et un SP. Bah, ça y est, SP, il a passé la moitié du niveau 5. Il est en pole position, les amis, pour être maxé. Alors, le jour où il sera maxé, par contre, il va nous ramener un petit peu de... Bah, ça va être des mini-secrets, là, du coup. Ça sera moins rigolo. Attention, fausse boule dorée, Berk. Ah, j'ai rien dit. Don Juan, de tout mon cœur. Yes. Allez, Don Juan, niveau 4, ce serait parfait. Non, ce sort n'empêche, on a un tirage assez assez cool, parce qu'on a eu un peu tout le monde. Il peut y avoir beaucoup de yokai qu'on n'a pas eu, hormis les rangs S, hein, bien sûr, les amis. Mais... Ah, encore un Ultramax, ça c'est bien. Il n'en manque plus qu'un pour passer niveau 4. Donc ouais, il n'y a pas eu beaucoup de yokai qu'on n'a pas eu. Donc c'est très bien. Hop. Allez, on tourne. Boule rouge. Ah, c'est l'Ornian. Bon, je trouve qu'on n'a pas un nombre de secrets incroyable, hein, les amis. On n'a pas un nombre de petits secrets incroyables. Allez, encore 11 essais avec... Hop. Zou. Allez, 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 allez. Don Juan. Oui. Parfait, parfait, parfait. Allez, allez. Il nous en faudra encore un et un ultra max. Et ce serait bien. On a eu Komajiro de toute façon. On a eu l'objectif principal de ce Lucky Bingo Kai. Et ben voilà. Allez, Don Juan, parfait, niveau 4. Pour farmer, ça va être top. Pour farmer, c'est top. Parce que Waipitu, à force de le farmer en même temps que la Y-Money, je pense que je l'aurai assez vite niveau 7. Puis après, Cabotin, je vais le montrer. Je pense que je vais le montrer avec des petits secrets dès que j'aurai fait les. Ah, Vita Sivilla, ça faisait longtemps. Dès que j'aurai monté les principaux que je veux, Modico, Marmoneur, Domnition, Feulion. Je pense que je mettrai assez vite Cabotin sur la liste. Parce que c'est quand même pratique de pas galérer dans un événement quand il y a un nouveau yokai, quoi. Si on avait un pitou très un pitou à fond, un cabotin à fond, espi. Et un donjon avec un niveau élevé, plus de la viande 4 étoiles, je pense honnêtement qu'on l'a quasiment à tous les coups, donc ce serait quand même pas mal. Plus le temple. Oh, boule dorée avant la Lucky recharge, les amis. Allez, allez, allez. Oh, le Minoct. Salut, Minoct. Allez, c'est bien, le Minoct. C'est sympa. Pas le yokai qu'on aurait monté avec des secrets de l'âme, donc... pourquoi pas. Allez, on est en mode bonus, les amis. Que la chance soit avec nous. Voilà, pas du tout. Allez. Et Don Juan, donc si un peu quand même. Un peu quand même, les amis. Est-ce qu'on va avoir 5 Don Juan pour les 5 derniers essais pour le monter niveau 5, les amis? Absolument pas. Il y a très très peu de chance. Allez, hop. Rouge. Ah, un petit secret. Alors, on n'a pas eu autant que les dernières fois, du coup, ce soir. Dernière fois, on avait eu plus. On va regarder, mais oui, je crois que dernier épisode, j'en avais eu presque 15, quoi, donc ça valait quand même le coup. Eh ben, il suffit que je dise ça pour en avoir deux coups sur coup. Très bien. Allez. Plus que 3 essais. Rouge.
Un bel état civil, pas de problème. Je pense que celui-là, les amis, ceux qui font du Lucky Bingo Kai comme moi, ils ont dû le voir un paquet de fois. Allez, hop. Boule dorée. Allez, allez, allez. Oh, bah c'est pas mal ça, les amis, d'omniscient. Oh, bah c'est super sympa. Bon, bah il sera niveau 2. Oh, bah c'est une bonne nouvelle. C'est une belle surprise, les amis. Parfait. Ça me va très très bien ça. Allez, les amis, dernier essai. Ah, bah je suis content. Tiens, c'est pas mal. D'omniscient, il est kiffe venir dans le dernier Bingo Kai, quoi. Et Ultra Max, comme ça, il est niveau 4. Parfait, les amis, on termine bien. Et Royal, allez-vous. La moitié de la barre de la Lucky recharge. Allez les amis, on traîne pas. Donc un Bingo Kai, bah écoutez, plutôt sympa. Ah, et quand même, hein. Et quand même, on en a eu 13, donc c'est pas mal. Alors, sur qui utiliser? Pourquoi pourquoi c'est dans ce torton là, trier par rang? C'est ça qu'il nous faut. Voilà, on est mieux là. Alors, on voulait le mettre sur Domnition éveillé. Il y a déjà 1%. C'est parti. Hop, il est monté à 18. Allez, on va prendre les secrets normaux maintenant. Hop, d'omniscient. Allez, c'est parti. Ah, il monte très très doucement. Hein. Je vous rappelle qu'on est du niveau 6 au niveau 7. Il faut 12 secrets de l'âme hein, pour le passer. Allez, on a 60%. Est-ce qu'on y arrivera avec les 13 petits? Faut l'espérer parce qu'on veut vraiment le faire hein, donc normalement oui, je pense que il en faut pareil, ouais, quoique ça va être tout juste à mon avis. 10, allez, 10, ça va être tout juste hein, les amis, parce qu'ils font 3%, donc il va passer niveau 7, mais ce sera limite limite limite. Ah oui, ce sera vraiment au pourcent. Allez. Incroyable, on va le mettre à 99%, c'est génial. Faudrait un tout petit secret. Ah, oh, mais ils sont généreux, tiens, ils l'ont passé. Ah bah voilà, les amis. Allez, je... Ce que je fais, est-ce que je suis dans le bon niveau? Ouais, allez. Et je vous montre un petit farming depuis tout avec... On a quoi, 27 minutes? Ouais, j'en ai pour 3 minutes. Je vous montre, les amis. Bah du coup, comme ça, on va voir mon meilleur score si j'arrive à l'augmenter. Je vous montre un petit farming de Y-Money avec Domnition éveillé. Donc la technique, hein, les amis, c'est rien de plus que la technique Komashura, mais adaptée à ce niveau-là. Donc, voilà. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des pitous du coup assez facilement. Qui c'est qui nous manque? Qui nous manque? Mobico, hop. Allez, c'est parti. Maintenant, on détruit tous les petits globules un par un. Sauf forcément les Domnitions éveillées. Donc c'est pour ça qu'on essaye de dans les stratégies pour dire d'aller. Parce que là, bon, je le fais un peu comme ça bien. Mais quand j'essaye de farmer la Y-Money, j'essaye de gagner du temps. Parce que quand vous le faites 50 fois d'affilée, si vous gagnez une minute à chaque tour, bah, vous gagnez 50 minutes hein, sur votre période de farm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de faire... de faire les Domnitions éveillées. Comme ça, après, vous vous occupez de faire des gros globules, bah, de Marmoneur, Camaïeul. En l'occurrence, ici, j'ai mis Belzel, Up et Modico. Comme ça, pendant que vous cassez ces globules-là, vous cassez plus de Domnition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'ai coupé. Ah si, c'est bon. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. On fait un troisième, puis il nous restera une boule bonus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 normalement, on est bon. Ah bah 14, j'en ai mis un de plus, bon c'est pas grave. Donc ouais, vous commencez par faire les domnitions éveillés. Comme ça après vous en reste normalement moins de petits globules à péter à la fin une fois que vous avez monté les 5 ultimes. Donc allez c'est parti, 1, 2, idéalement 3, on en fait 6, 5 c'est le minimum. 4. 5 à la cinquième. 6 ça me paraît... Eh non, 6 on l'aura pas les amis. Avec 5, ah ouais on est déjà quasiment à 12 millions avec 5. Ah, on a une petite export. Donc si j'en fais 6, je vais monter, ouais. D'habitude je suis, ouais, je suis quasiment à ce score là avec les 6, donc on va monter au-dessus des 13 millions. Donc on gagne 2000 là, vous voyez, sans faire les 6, on a 2000 Y money par partie quoi. C'est juste parfait quoi. C'est une bête de combat. Ah, j'ai cru que le jeu avait bugué. C'est une bête de combat ce Domnition SS. Voilà les amis, pour ce qui est de la vidéo du Lucky Bingo Kai d'aujourd'hui, donc le programme de la semaine. Tiens, on va aller regarder vite fait. Est-ce qu'il nous reste quelque chose à faire? Paradis divin ou pas, il me semble qu'on vous a, ça y est, vous a fait tous les niveaux. Hein. Là, ah, peut-être le, on a peut-être pas fait le troisième niveau du paradis divin, tiens. Mais non, on l'a pas fait les amis. On enfin arrive au sanctuaire divin, hein, pourquoi ça sent la mer alors qu'on est très bas, oui. Eh ben je sais même pas, bah, du coup on n'a pas le yokai qui se trouve au bout. 19 niveaux, ça nous fera une belle vidéo les amis, on va se mettre du domnition, on va se mettre du démophage, on va se faire une grosse équipe de tueurs pour aller le faire. Donc on fera ça cette semaine, comme ça ça s'est décidé, et puis aller un bingo kai dans la semaine, et sûrement encore un dimanche ou lundi. Les amis encore merci, on a pété la barre des 800 abonnés. Merci à tous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à aller sur Facebook, Twitter, on essaye de vous répondre au maximum, comme d'hab, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez envie qu'on fasse. À très très bientôt les amis, et encore merci pour tout le soutien. Allez, au revoir.